Bonjour les trous du cul, ça va? Oh non! On va commencer sérieux. Tu m'as pas une minute, ils vont méga vite. Mais arrête, montre-moi! Des minutes, c'est pas des minutes, c'est des secondes. Alors, ça, c'est du pirate. Il y a deux modèles de piranhas. Je parle pas des piranhas noirs et tout comme ça. Je parle des piranhas petits comme ça. Ou alors gros comme ça. Ça dépend. Et surtout ceux qui sont méga profondeur. Ils ont une petite tempe comme ça. Ils sont gigantesques. Alors, voilà les piranhas. Ils ont une queue. Ils sont en bande. Alors que le requin, il en a beaucoup plusieurs. Là, je ne l'ai pas fait tous. Je l'ai fait juste quelques-uns. Le requin, il vit tout seul. Bon, ça dépend quel requin c'est. Genre le requin gris, je sais plus si je l'ai fait ou pas. Le requin gris, il vit dans le monde. Voilà. Le requin mégalodon, il vit pas en monde. Ok, j'entends des bruits. Ok. Désolé. Il y a peine. Hein. Alors, quand tu peux partir plus loin, là, on dirait un coup de cul, c'est bon, c'est bon, arrête toi. Je vois plus la feuille. Voilà, là c'est bien. Et aussi, ici on a un, deux. Quand un requin ouvre la bouche, surtout le mégalodon, en fait là il est comme ça, après il devient comme ça. Après dès qu'il ouvre la bouche, c'est ses élèves là, qui sortent, je sais pas quoi. Donc voilà, on a le... j'ai dessiné les requins, par contre j'ai pas fait tous. J'ai fait le requin marteau, le requin tigre, le mégalodon, le grand requin blanc, le requin baleine, le requin pèlerin. Le requin boule doré, le requin bulldog, le requin mako, le requin que je sais plus comment il s'appelle là, ça fait trop longtemps qu'il l'ai vu, et le requin qui habite au pôle nord, j'ai oublié aussi son nom. Sans profondeur. Voilà. Le requin, ses dents ont des petites piques dessus, ça raconte qu'ils vont s'approcher. Regardez, ils ont des dents comme ça. Par contre, ici, ils ont des petites piques comme ça, là, pour mieux mâcher. Surtout le requin tigre. Le requin tigre, c'est pour détruire les carapaces de ses ennemis. Tadam. Yeah. Donc voilà, je vous avais appris. Donc tu peux éteindre.